Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser un joli motif pour un chemin de table ou bien centre de table. Un apprenant peut le faire en carré du moment qu'on peut maîtriser le nombre de mailles. On va le faire doucement et vous allez voir que c'est vraiment très très facile. Aujourd'hui, je vais travailler avec du coton macramé. Alors, la pelote pèse 250 grammes pour à peu près, je dirais, 210, 250, je pense. J'ai perdu l'étiquette. 250 mètres. Plutôt, je pense que c'est 200 mètres. Moi, j'ai utilisé 250, une pelote pour ce chemin de table. Et comme les chemins de table diffèrent en centimètres, c'est-à-dire on peut les avoir, celui-là c'est dans les, je pense, 30 centimètres, non, non, 24, je dirais 25 centimètres. Et pour la longueur, c'est 140 centimètres. Après, on peut faire un chemin selon notre table, la largeur de notre table, 50 sur 150 ou bien 30 sur 150. Aussi, si on ne veut pas travailler avec ce coton macramé, il est un petit peu gros quand même. On peut utiliser du coton ordinaire qui se crochette avec 2,5 et 3. Du moment là, c'est un multiple, on peut le maîtriser, on peut avoir plusieurs motifs. Pour mon côté coton macramé, je vais travailler avec un numéro 6. On va avoir besoin d'un mètre ruban, bien sûr, pour mesurer une aiguille à tricot, une paire de ciseaux. Aussi, j'avais pris des boules en bois. De toutes les façons, je vais vous laisser le lien pour le coton macramé, si vous voulez aussi pour les boules, alors qu'on peut les trouver dans toutes les merceries. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. On commence. On va commencer notre chaînette du départ et il nous faut un multiple de 9 plus 8. Ça veut dire que je vais faire ma chaînette. Quand je termine le multiple de 9, je vais rapprocher juste un petit peu. Je rajoute 8 mailles. Et je commence le premier rang. Je vais faire 36 mailles en l'air. Ça, c'est un multiple de 9. Alors, ma boucle du départ, je ne la compte pas. C'est juste pour bloquer mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je rajoute encore 9 jusqu'à atteindre votre multiple. Pour moi, ça sera 36. Et 36, ça c'est le multiple de 9. Maintenant, je dois rajouter 8 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mon premier rang, on va venir compter ici. On va compter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la huitième, je vais faire un jeté et je vais faire ma bride. Maintenant, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va compter. Alors, on saute 5, 7 ici, c'est juste pour le début.
Maintenant, on va sauter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la neuvième, je vais faire une brique. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je reviens là où j'ai fait ma brique. Je rajoute une deuxième. Ça nous fait une sorte de point V. Et là, si vous allez voir, ça va faire aussi un point V. Sauf qu'ici, on va sauter juste 7 mailles dans la huitième. Ici, on va sauter 8 dans la neuvième. Je vais répéter les 5 mailles. Maintenant, séparation. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je viens compter ici 8. On va les sauter. Dans la neuvième, on va faire une bride. 5 mailles en l'air, une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la neuvième, je fais ma bride. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. Je reviens et je rajoute ma deuxième bride. J'ai refait la même chose. 5 mailles en l'air pour séparer. 1, 2, 3, 4 et 5. Même chose, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la neuvième, je fais une bride. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et je reviens dans la même maille et je fais une bride. Encore. Séparation, 5, 2, 3, 4 et 5. Je viens, je saute. Alors, je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la neuvième, je viens. Je fais une bride. Maintenant, c'est la fin. On va faire 3 mailles en l'air et une double bride. Là, vous allez comprendre. Une double bride pour terminer notre rang. Vous allez comprendre. Là, on a fait, c'est comme on a fait, on a sauté 7, 4, ça remplace la double bride. Et 3, c'est une séparation. Allons-y pour le deuxième rang. Mon deuxième rang. On commence toujours par 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne mon travail et je viens là. Là, on a commencé sur la double bride du rang précédent et je fais une bride. Vous allez voir le dessin en haut et vous allez suivre en même temps. 2 mailles en l'air maintenant. Et je viens là. Sur les 5 mailles de séparation, je vais juste compter 1, 2. Dans la troisième, on fait une maille serrée. 2 mailles de séparation. On vient là, on va compter. On a 5 mailles de séparation. Alors, si on compte là, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais venir sur celle du milieu, la troisième, et je vais faire la même chose. Une bride, 5 mailles en l'air,
3, 4 et 5. Et je reviens avec, dans le même point, je reviens avec une bride. Je dois libérer mon fil. Je fais une bride. On refait le même dessin. Sur chaque dessin, on refait le même dessin. On continue. J'ai libéré mon fil. 1, 2. On vient là sur les 5 mailles de séparation, comme on a fait ici. On vient et on compte. 1, 2, 3. Sur la troisième, celle du milieu, on fait une maille serrée. 1 et 2, on a 2 mailles de séparation. Et vous voyez là le dessin? On obtient ce joli dessin. Je viens directement, je vous ai dit, chaque motif, on a un motif en dessus. On répète, je viens là sur celle du milieu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Sur la maille, celle du milieu, je fais une bride. On est là. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens là où j'ai fait ma bride. Et je fais dans la même maille une autre bride. Et ça nous donne ça. Sur chaque motif, on fait un motif. 2 mailles, 2 séparations. Je viens 1, 2 dans la troisième. Une maille serrée. 2 mailles, 2 séparations. On va directement sur notre motif. On a 2 brides, 5 mailles en l'air. Sur la troisième des 5, je viens, je pique, je fais une bride, 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. Et je reviens dans la même maille et je fais une bride. Deux mailles de séparation pour qu'on puisse former le nouveau motif. On vient là, deux mailles de séparation, on vient là sur celle du milieu, je fais une maille serrée. Deux mailles de séparation, on a une bride et 7 mailles en l'air. Maintenant, je vais compter les 7. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, je vais piquer. Je vais faire une bride. À la fin, 3 mailles en l'air et une double bride, comme on a fait dans le premier rang. Une double bride, là on a fait la dernière bride sur la quatrième maille. Une double bride. Et là, on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, on commence par 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tourne notre travail. Et on vient là sur la maille, là où on est monté, sur la maille de la double bride. Et on fait une bride. Maintenant, on va faire, on est comme ça. On va faire 5 mailles en l'air, comme si on va répéter ça. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5.
on va directement sur notre dessin, sur la bride, les 5 mailles en l'air, et on va piquer au milieu. On va répéter le même dessin. Je fais une bride, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, je reviens là où j'ai fait la bride, je reviens et je fais une bride. Et voilà. Et j'ai ça. On répète 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens directement sur mon motif, celui-là. Et je répète la même chose sur la maille du milieu, la troisième. Je viens et je fais une bride, 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. Je reviens là et je fais une bride. Je reviens sur la même maille et je refais une autre bride. C'est le même dessin sur chaque motif. Et je répète 5 mailles en l'air, là sur le motif, une bride. 5 mailles en l'air, une bride. On continue ensemble notre troisième rang. 1, 2, 3, 4 et 5. On va directement sur le motif. Ça veut dire on va sauter là les 2 mailles en l'air, une maille serrée, les 2 mailles en l'air. On va directement sur le motif. Sur celle du milieu, je fais une bride. 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Et je viens. Je reviens dans la même maille et je fais ma bride. Cinq mailles en l'air. Un, deux, trois, quatre et cinq. On est vers la fin. On va aller ici sur les 4 mailles. On va compter. Un, deux, trois et quatre. Dans la quatrième, je fais une bride, 3 mailles en l'air et une double bride dans la même maille. Pour le début et la fin, on répète la même chose. Au début, c'est 7 mailles en l'air, une bride. À la fin, c'est une bride, 3 mailles en l'air, une double bride. Et ça, c'est notre troisième rang. Mon quatrième rang, on va répéter le deuxième rang. À partir du quatrième, on va juste répéter le deuxième et le troisième. On commence toujours avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne mon travail. Une bride. Ici, sur la première maille. Il ressemble au deuxième. Ça veut dire, dans le deuxième, on a fait 7 mailles en l'air, une bride. Je dois faire 2 mailles. Venir ici avec une maille serrée, 2 mailles, et refaire mon motif. 2 mailles en l'air, oui. Je viens là directement sur les 5 mailles. Je compte 1, 2 dans la troisième. Je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. On répète le deuxième rang. 1, 2 dans la troisième. On est sur le motif. Je fais une bride.
1, 2, 3, 4, 5. Je reviens là où j'ai fait ma bride et je rajoute une vrite. 2 mailles de séparation. Je viens là. Sur la troisième, je fais une maille serrée. 2 mailles de séparation. Je viens là. Sur le motif, je fais une bride, 5 mailles en l'air, une bride. 4 et 5. Et voilà. On a répété le deuxième rang. Et c'est ça mon deuxième rang. 2 mailles, une maille serrée, 2 mailles. On fait 2 brides, 5 mailles en l'air, séparées de 5 mailles en l'air, et on répète. 2 mailles, une maille serrée, 2 mailles. Et ça jusqu'à terminer notre quatrième rang. Je suis vers la fin de mon quatrième rang. On va, alors j'ai fait la maille serrée, 2 mailles en l'air. On va compter 1, 2, 3, 4 dans la quatrième. Je viens, je fais une bride. 3 mailles en l'air. 2, 3. Et une double bride dans la même maille. Et ça, c'est mon quatrième rang qui ressemble au deuxième. Mon cinquième rang ressemble au troisième. 7 mailles en l'air, toujours. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On tourne notre travail. Je viens sur la première maille. C'est la maille de notre double bride du rang précédent. Et je fais une bride. Ça, c'est le début. Il ne change pas. Maintenant, on va répéter le troisième rang. Le troisième rang, on a directement 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais directement sur le motif et je vais répéter ça. Dans celle du milieu, une bride, 5 mailles en l'air. Et je reviens avec une bride. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je viens là sur le motif directement. On va sauter les 2 mailles en l'air. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et on va refaire une bride. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Et je viens sur la même maille pour faire une bride. Et voilà, on va répéter le troisième rang. Je suis à la fin de mon cinquième rang. Après les 5 mailles en l'air, je viens là, je compte 1, 2, 3 et 4. Je pique, je fais une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une double bride dans la même maille, la quatrième. Et voilà, on a terminé notre cinquième rang. Ce qu'il faut répéter maintenant, c'est le deuxième rang et le troisième. À chaque fois, deuxième, troisième. Jusqu'à atteindre la mesure désirée. Après, vous pouvez le faire en carré, comme un petit napperon avec des franges. Aussi rectangulaire ou bien un centre de table. C'est à vous de voir. Je vais avancer et on se retrouve tout à l'heure pour terminer le dernier rang.
Alors, moi, je vais terminer avec le deuxième rang. Ça veut dire quand j'atteins la bonne mesure, j'aurai ici deux mailles en l'air, une maille serrée, deux mailles en l'air et je fais mon motif. Je viens de terminer ma mesure désirée. J'ai fait 140 cm. Alors, je suis là, on termine avec... Oups, j'ai perdu ma dernière maille. Alors, je vais la refaire, la dernière. C'est une double bride. On termine avec ce rang. Alors, je pense que c'est le deuxième rang de répétition avec les deux mailles, une maille serrée, deux mailles. Maintenant, on tourne notre travail et quand on a la bonne mesure, on fait notre dernier rang. Alors, j'ai terminé avec les mailles serrées au milieu. Mon dernier rang, je vais juste faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens là où j'ai fait, je vais vous montrer où j'ai fait la bride, 5 mailles en l'air et la bride, comme ça. Et je pique au milieu, là, je vous ai dit, on compte 1, 2, dans la troisième, je fais une maille serrée. C'est pour avoir le même dessin que le premier rang. Encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Prochain, ici. Une bride, 5 mailles en l'air, une bride. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Même chose, ici, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens là. Je suis à la fin. Je viens compter 1, 2, 3 sur la quatrième. Je fais une maille serrée et on a terminé. Une maille en l'air et je coupe le fil. Tout à l'heure, je vais le faire rentrer. Maintenant, on va passer et faire les franges. J'ai fait en bas. Regardez, c'est il faut avoir le même dessin entre le début et la fin. Maintenant, on va faire la même chose. On va faire les franges sur chaque motif. On va commencer les pompons à franges. Alors, j'ai pris, vous prenez un carton ou bien ça c'est un couvercle d'une boîte. Alors, à peu près, on a 10 cm. On va commencer à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À peu près selon votre fil. Je coupe. Je prends à peu près, disons, 15 cm. Je vais le glisser, mon aiguille. Je vais le glisser. Vais le glisser ici d'abord pour pouvoir faire le nœud comme ça. Et je fais
Un double nœud déjà pour fixer le haut de mon pompon. Comme ça. Je retire. Voilà. Oups, attendez. Il y a un fil. Je retire comme ça. Je prends maintenant un autre fil et je viens faire quelques tours sur ce côté. Et hop, on va faire comme ça. Je coupe. Je fais un double nœud. Voilà. Maintenant, je peux couper ici mes fils. Voilà, tout est libre. Je prends une boule en bois. Un petit crochet, je glisse les deux fils qu'on a mis, avec quoi on a fait le double nœud du haut. Et voilà, et comme ça, c'est prêt. Après, je vais couper tout ce qui dépasse. Là. Et voilà. Je prends maintenant mon chemin ou bien mon apron. Je viens là. On va placer un pompon à frange ici. Un pompon à frange. Là où on a le motif. Là, c'est la moitié du motif. Ici, là, là, ici et ici. Je vais glisser mon crochet là, je vais prendre un seul fil pour pouvoir faire le nœud. Je le ramène, après je vais faire rentrer ce fil. Et je vais faire, je vais rapprocher un petit peu, je vais faire un double nœud, faire un nœud ici pour l'attacher. Et voilà, ces deux fils, je prends à nouveau mon aiguille à laine, je la cherche, elle est là quelque part. Je prends les deux fils, comme ça. Et je viens glisser mon fil dans la boule et le faire sortir comme ça. Ça, c'est le premier. Le deuxième. Comme ça. Et celui-là, celui de mon ouvrage, je vais le glisser sous le travail. Je prends un autre que j'ai préparé et je viens là, je glisse un seul fil. Voilà. Et je viens faire un double nœud pour l'attacher. Et je fais la même chose avec mon aiguille
Je glisse ça d'abord à l'intérieur de la boule et à l'intérieur du pompon. C'est un peu serré et je le ramène. Je prends le deuxième et je fais la même chose. Je le glisse. Et voilà. On va continuer sous chaque motif. On fait un pompon à franges. Quand on termine de les placer, on prend le lisseur à cheveux et on vient repasser tout ça. On va passer plusieurs fois. Faut pas avoir peur. Faut juste et je fais de même avec les autres. Et on coupe tout ce qui dépasse. Alors, je vais couper tout ce qui dépasse. Et je vous laisse continuer et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Voilà, je viens de placer toutes mes boules en bois, mes pompons à franges et voilà le rendu. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre chemin de table, nappe ou bien juste un centre de table. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!